Hassan Mila. Nara huyu tamanyo, nejasi wala bana. Nara huyu tamanyo, nejasi wala bana. Nara mkasu kenire medeni fusa fulana mwe. Dude nara huyu tamanyo, nejasi wala bana. Anyaba nara ubo, bo kini nyadi tena sinzala nakida. Dude nara huyu tamanyo. Ça dépend de chaque langue. Chacun avec comment il appelle ça dans sa propre langue. Oui. Et dans votre langue. C'est, ça, c'est dans le nom, c'est le nom scientifique, ça. Oui. Que nous appelons comme ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Oui. Ça, c'est ça que tout le monde connaît. Ça, là, c'est Gemilna Arboréa. Que a communément appelé Melina. Melina, que les gens connaissent. C'est l'espèce, ça. C'est un arbre lignifié. Ça, là, c'est Asiadrata Indica. Et ça dépend de comment les gens appellent ça. Azedra Indica, d'autres appellent Nimti, Nim. Dans quelle langue vernaculaire? Niti. Parce que nous parlons que dans la langue vernaculaire. Oui. Ça dépend d'un lieu à un autre. Oui. Et. C'est quoi me demande? Ça là, c'est Kaya Sénégalais. Kaya Sénégalais, là. Kaya Sénégalais. C'est ça. C'est ça. Donc c'est le cas, c'est le galgis. Donc ça dépend aussi dans les langues aussi. Donc ailleurs on peut l'appeler djara, ça dépend quoi. Vous allez voir ça au bord des routes. Souvent on prend ça pour mettre au bord des routes. Parce que c'est un arbre qui est très grand. Ça peut faire 5 mètres de hauteur, 6 mètres de hauteur. Voire même 10 ans. Hein. Là où le sol est bien, la pédologie du sol est bien développée. Ça peut faire même jusqu'à 10 mètres de hauteur et avec des branches. Anyaba nyara obo, bo kini nyadi tenga sinzala.
jeté bas chicolier. Les réunions sur le site, ils vont passer sur le site. Hein, venez là. On a laissé les plantes en bas ici. C'est bon. Qui va vouloir. Là, ça veut dire que même de ce côté, on mettra peut-être une ou deux rangées de ces arbres-là pour mettre les arbres fruitiers au milieu. Ouais, mais comme l'entrée. Il y a la rue, il y a l'entrée. Maintenant, on a pensé mettre les gros arbres tout autour. Donc, comme ils n'ont pas pu donner l'espace vers là, donc on attend peut-être l'année prochaine. Donc, ça, c'est une belle idée. Ça permet. Moi, qui l'avais couru. Maintenant, il y a une photo. Le reportage est là. Il y a une photo. Il y a une derrière toi. Avec les tiges là, comme ça, je vais mettre les. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Fleur là. C'est l'ensemble des quartiers. Bon, ici là, c'est du Daouré, Zongo, barrière ça. Là-bas là. C'est Koulondé qui est un peu loin là. C'est Koulondé ça. C'est plusieurs quartiers. C'est très bon. Les photographes, Bidekana gasi se ina
développement borna wo mbi sebe kwa sele te dena si yebu jorna da jorna le lerna fi no wan ko da kidi wa choda no e ge assis kra la kodona da jar de terrain kra don du tene ke bis da lao ka kon ko vozra de ke ala de de bawe kama si yena na ro angoro semen de Nigeria si yare de bang betu o zulukiche ba madede de si awa wo mbi te dan lant ma ya wo da na mona ortan le de back mrega wazo wezi so tete dugure na da buka do ala de cho ba cha da sesi o mbita ba bezi ba senai e bezi bo fozi de ye de dana dana buka e bezi ibe e de bia bobo de zanda be de lu ma sege bala ba cha ti go change e se bo force ba lu eni buka du du tene e bezi bo kombo force da tedir ngada um tek din kwani bringa blada de de na tinu ntisu de kongona baba azu du chine danja du te tingona li de na balana kilegwe tena mama mama te bebi le su mu solo chomle tini tuwe ne bia a chan wana bingona kidime de char da bir fe da ma ala chao jodo no do no du kondon du be ka ken leze baya bo yubom na sima bam mo bi danja de bene biya sara lodo ban sara bi jono yo don abilla no ya dana we santem togo da bi dana koni bo jona ale de matta no wobe bese bu nyozo wo bibi kala bi lezi biya na de ko kardage de de ku bana ba ma bele gadan so lu so so togo ku bone so se ya la fia wo mbaba ngbero ne so per bi chele da de de suren ki dodo sur sur bi dana male change so la chele da da goro de sem doya ala dono dono ne iso le blaka de ferre ma cero warso konche de jingar de tane de kele do d'accord du du blaka zo me bia tin bia de ton chare na da ko bibili de li de ba musuma belena da ne sinon je fais partie des membres fondateurs de femmes telles. Au fait, c'est en marge de Ado Sagato 2023. On s'est dit qu'il ne faut pas qu'on se limite aux chansons, aux danses, à la fête. Il faut quand même laisser quelque chose. Et c'est à ce propos qu'on a initié ce projet. Un projet en mémoire de nos mamans, les Asia, les Alissi. Qui ont lutté pour asseoir la paix, qui ont lutté pour maintenir leur foyer, qui ont lutté pour que Chao Jo soit ce qu'elle est aujourd'hui. Okay. Oui, tout le monde peut être membre. Et au fait, nous ne sommes pas une association. Voilà. Femmes Ternitières, c'est un groupe de femmes qui militent pour asseoir la paix dans les foyers, pour maintenir les foyers, pour éviter les aventures de nos sœurs, de nos mamans. Bref, pour que nous soyons en paix. Autour de cet espace, nous avons prévu des parties vergers et des parties forêts urbaines. Et maintenant, il y a des essences typiques de Chao Jo de Sokodé qui nous ont vu grandir, qui sont en voie de disparition, que nous voulons aussi conserver. Et donc, nous prévoyons, d'ici la saison sèche, retaper encore tout autour pour mettre les techs qui, à notre avis, est une vraie identité de Sokodé qui nous a vu grandir. Et en cela, nous profitons de lancer en même temps un appel aux populations riveraines de veiller à ce que cet espace forêt, urbaine, verger, nutritif, et en l'honneur des femmes de Sokodé, puisse être conservé, préservé contre les feux de brousse, contre les déboisements, peut-être que certains passeront juste pour gâter, et nous espérons qu'ils vont faire sienne cette initiative pour la protéger, cet espace pour la protéger comme cela se doit.